Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, la tradition veut, c'est même plus tradition, c'est une coutume sur la chaîne, on se boit une petite bière. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi la Forestine, une bière que je connais pas du tout. À mon avis, je l'ai reçue soit à Duce ou soit à Sam, enfin l'un des deux, c'est avant l'anniversaire en tout cas que je l'ai reçue. Donc c'est une bière blanche de 5,6 degrés. Ce qui est important de savoir, c'est une bière durable. Donc une forestine bue est égale 1 centime pour la nature, les gars. Donc c'est très important de boire. Donc faut boire de la forestine pour participer à la bonne vie de la nature. Enfin, il n'y a que ça à faire. Donc j'étais cherché ça un peu sur internet les informations. Il y a beaucoup de trop à lire. Je vous invite franchement à aller sur leur site. Donc c'est www.forestine.be. D'avoir toutes les informations que vous voulez sur la bière. Vous en dites pas plus, on va la goûter. Hein. Donc voilà, hein. Donc c'est une bière bien blanche. Pas de surprise là-dessus. M'a l'air sympathique. Putain, c'est con, ils vont commencer à me faire aimer les bières blanches. Mais elle est bonne. Une bonne petite bière. Légère. 5,6 degrés, donc je trouve que c'est une bière légère. Très rafraîchissante. Franchement, elle est bonne. Pour ceux qui aiment les bières blanches, je vous la conseille. En plus, je rappelle, donc c'est 1 centime pour la nature. Hein, donc très important. Franchement, je la conseille, elle est vraiment bonne. Je suis une bonne découverte, je suis content. Donc vous savez, on n'est pas que là pour boire. On va se faire un petit jeu rétro. Exit the bike. J'espère que je l'ai bien dit. Donc voilà, un jeu de moto. Hein, un peu à la Enduro Racer que j'ai fait l'année passée, il me semble. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon, bah, je sais pas ce que j'ai fait, mais... Donc, je disais, Enduro Racer que j'ai fait sur la Master System. Qu'est-ce qui se passe? Over Hat. À mon avis, j'appuie pas sur le bon bouton. Ça doit être ça. Le jeu s'excite, je sais pas pourquoi. Hop. Hop. Voilà, donc... Enduro Racer sur Master System que j'avais fait à l'époque. Donc là, on est sur la NES, clairement. Donc, qui était la grande rivale de Sega, hein, Nintendo. Pour les petits jeunes qui savaient pas. Bah, le jeu, je connais pas forcément. Je le découvre en même temps que vous. Mais c'est un titre qui me parle. Hein. J'ai déjà entendu énormément parler, forcément. Quand ça s'intéresse un peu au rétro, bah, c'est le genre de titre qui reviennent régulièrement, donc je voulais le présenter sur la chaîne. Ça me tenait à cœur de faire, bah, de changer un peu les jeux de plateforme, hein. On va essayer de faire un peu des choses différemment pour vous distraire et me distraire au mieux. Donc finish, une 19, un bon petit temps. Donc je suis quoi? Je suis deuxième. Bah, c'est bien, hein, c'est bien. Voilà, on a pris un bon départ, j'espère que ça va plus s'exciter comme tout à l'heure. Donc bah, il faut essayer d'éviter les flaques de boue. Essayer de ne pas tomber de sa moto. Prendre des petits boosts. Et je pense qu'on serait pas mal à ce moment-là. Hop. Voilà, bon après c'est assez répétitif, hein, comme on peut le remarquer. Aïe. Oula, la belle gamelle. Elle était belle la gamelle là. Voilà, on évite tout. Lap 1. Lap 1, lapin. Ouais. Pourquoi pas? Un peu d'humour, ramoucheux. Ok, bon, je pense qu'on est pas mal. Aïe! On était pas mal. Petit boost. Ah, j'ai compris à quoi servait l'autre bouton. C'est un genre de boost. Faut pas trop en abuser parce que sinon bah, l'arbitre n'est pas content. Voilà. Allez, on accélère un petit coup. Voilà, nickel. On évite un peu tout le bazar. Et voilà. Une 24. Alors, une 19. Une 19. Et je suis premier, les gars. Mais c'est bon, ça. Alors, on change de décor. Voilà. Qu'est-ce que ça nous réserve? On va se mettre là. Oh, oh, oh. Oh, la belle gamelle. Ah ouais, d'accord. Qu'on s'y attend pas. Voilà. Voilà.
Il suffit de savoir bien les prendre, hein. C'est un peu comme avec les femmes, hein. Il suffit bien de les prendre, hein. Bon, là, j'ai toute la gente féminine sur le dos. On va dire que je vais prendre une fois un macho. On est bien. Donc là, on sait qu'il y a un truc. Voilà, une grosse accélération. On essaie de pas tomber. Oh, j'ai bien géré ça. Oh, je suis fier de moi. Ouh. Ah, je me sens pousser des couilles, là. Oh là là, je me sens plus. Wouh! Allez, hop! Une belle accélération. Wouah! Voilà, hop! Ah, j'aurais bien aimé avoir à cette époque-là ce jeu. Franchement, je m'éclate bien. Je sais pas si ça se voit, mais je m'éclate bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme temps? Je suis premier, mais encore. Mais c'est magnifique! Ah, je vais boire une petite goutte là-dessus, hein. Très bonne la bière. Très très bonne, franchement. Je vous la conseille les yeux fermés. Quand c'est bon, faut le dire, hein. Oh, faut tout éviter le bazar, je suppose. Ah merde. J'étais un peu surpris, hein. Voilà. Petite accélération. Voilà. Une grosse accélération. Waouh. Voilà. On est plutôt pas mal, hein, je dirais. Enfin, je parle un peu trop vite, là. Même si ça peut sembler un peu répétitif. Clairement. Hein, après, faut pas oublier, on est sur la NES. Donc, bah, la machine pouvait pas. Elle faisait avec les moyens du bord, hein. Clairement. Voilà, je pense que pour être premier, ça va être un peu compliqué cette fois-ci. Ah, je me viande toujours au même endroit. Ouais. Je suis pas bon, j'étais mauvais là. Ah, comme je dis, j'ai une santé de poussée de couilles là et. Voilà, je suis de la merde. N'ayons pas peur des mots, hein, c'est de la merde. Hein. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Hop, vas-y, accélère mon pépère. Voilà. Bon ben, je pense qu'on va même pas être sur le podium. Non. 8e. Ben voilà les amis. C'est sur cette 8e place malheureuse qu'on va se quitter. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hein, vous connaissez la musique. Hein, et une prochaine bière aussi, hein, c'est sûr. Hein. Moi j'espère que vous avez passé un bon moment sur la petite vidéo. Je vous dis à la prochaine et. Salut, tchuss! Bisous câlin, au revoir et merci.